Et là dans le ventre du gastéropode, alors que devant la bagarre et le groupe de tête. Chute dans le gastéropode. Ah, chute dans le gastéropode. Qui c'est qui est tombé dans le gastéropode? C'est Louis Eckard, le loup, qui nous a fait une glissade. Ah, cheval qui a du mal à repartir, cheval impétueux. En fait, c'est quand tu te remets pas sur la selle, le cheval il s'est voilà, donc voilà, Louis, conseil de Alain Guerl, quand tu veux repartir, il faut te poser sur la selle. Allez, je refais. Allez, mon loulou. Allez, Louis Eckard, ouais, essaye, il a relancé la bête et devant. Il a la cible devant. Ah, il a la. Ah, Jean-Pierre, il s'est mis la lumière dans la poche. Oui, il a la cible. Il a la lumière dans la poche, voilà, comme ça on va le voir d'hélicoptère tout à l'heure. Et donc là, eh bien, on va retrouver, à l'issue de ce premier tour, le peloton. Ouh, c'est Sylvie, mais c'est une bête de compétition, Sylvie. Avec derrière, c'est Cécile. Il y a un challenge inter-Tostad. Oui. Ah, c'est ça, on sent que chez les filles Tostad, là, il y a la bagarre. Là, on sent que, je ne sais pas quelle a été la promesse. En cas de résultat de filles Tostad, mais. Ah, d'accord. Ah oui, c'était passer une soirée avec Mathieu Van Der Poel. Oui, mais on lui dit pas à Christophe. Hein. D'accord. Enfin, Mathieu Van Der Poel, pas le vrai, celui qu'on appelle Mathieu Van Der Poel ici, qui est dans la région. Hein. C'est pas le même, c'est pas celui qu'on voit à la télé avec le maillot champion du monde là, qui se promène en cyclocross. D'ailleurs, c'est une véritable merveille. Quand